C'était sûrement le braquage de trop. Ce matin, 8 personnes ont été interpellées après un nouveau casse au casino de Dunkerque la nuit dernière. En effet, après le braquage du casino de Saint-Amand-les-Eaux lundi, la police judiciaire de Lille était sur la piste des malfaiteurs présumés et avait prévu de les arrêter ce matin. Du coup, eh bien, coup de théâtre, les suspects ont remis ça vers 2h30 du matin. 5 individus encagoulés et lourdement armés ont tenté d'ouvrir les coffres du casino de Dunkerque. Ils sont repartis avec un butin estimé vraisemblablement à 7000 euros. Le braquage a duré moins de 3 minutes et 2 personnes ont été blessées. Des coups de feu ont été tirés en l'air. Ensuite, une folle course-poursuite s'est engagée entre les forces de l'ordre et les malfaiteurs qui ont pris la fuite à bord d'une voiture volée de marque Audi. Après plusieurs dizaines de kilomètres de filage, l'un des individus, âgé de 25 ans, a été arrêté dans le quartier de Lille-Sud. Un autre a été interpellé à Wascal. Il s'est jeté dans la Deule pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre. 6 autres personnes ont été appréhendées dans le cadre des autres braquages de casinos commis dans le Nord, l'un hier matin à Saint-Amand-les-Eaux, l'autre en novembre dernier à Lille. Je vous propose d'écouter le secrétaire régional du syndicat Alliance au micro de Pierre Beauvillain. C'est le même mode opératoire, hein. Un véhicule volé stationné devant le casino avec le conducteur reste au volant. Les 3-4 individus s'engouffrent dans le casino avec armes de poing, armes automatiques, mettent au sol les témoins, les clients, et se dirigent directement vers la caisse. Tout ça très organisé avec un compte à rebours. Donc voilà, le même mode opératoire pour les trois braquages qui nous laisse penser à une équipe constituée. Et à noter que lors de l'arrestation de l'un des individus à Wascal, un corps a été repêché dans la Deule. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années.